une nouvelle vidéo. Donc ça va être encore un tuto pas à pas pour une page d'album. Donc je vais reprendre le derrière de celle-ci. Et nous allons faire celle avec les deux pochettes que vous m'avez réclamées, qui étaient dans l'album de Hello la fée chatouille. Donc ce que je vais vous conseiller pour commencer, désolé, c'est de prendre deux feuilles basiques A4. Hop là. Et ce que vous allez faire, c'est que sur la longueur, hop là, je vais bien les mettre. Vous les coupez à 21 comme ça tout le long. 20 cm, pardon. Donc à 20. Hop là. Et sur la longueur, là, vous coupez, pardon, à 23. Ce qui fait qu'ici, vous allez avoir une chute. Et ces chutes seront celles-ci. Donc 21 sur 6,5. C'est ce que je vous conseille de faire pour économiser du papier. Pour, voilà, tout simplement récupérer les chutes. Donc, je répète, il vous faut deux feuilles de 20 sur 23 cm. Je vais y arriver. Promis. Donc, voilà, il vous faut deux feuilles comme ça. Il vous faut deux feuilles de 21 sur 6,5. Et dans mes anciennes chutes, j'ai pris une feuille de 23 sur 6,5. Donc, voilà, voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. Hop là, donc je prends Matrimon Score. Hop là. Je vais la mettre à l'envers. Et je vais l'ouvrir. Hop là. Donc, vous prenez votre feuille. Sur le côté 20, enfin sur le côté qui fait 23 cm, vous faites un pli à 1 cm et un autre à 13 cm. Vous faites ça sur les deux feuilles. Et 1 à 13. Voilà. Ensuite, vous allez prendre la feuille de 23 sur 6,5 et vous allez faire un pli à 1 cm sur les trois côtés. Hop là. Ensuite, on prend toujours nos trois feuilles ici. Alors, hop, on va prendre là, moi je vais prendre celle-ci, mais sur l'autre, j'avais pris cette perforatrice là, mais celle-ci est un peu trop arrondi, elle n'ira pas avec la bonne photo. Du coup, je vais prendre peut-être plus celle-ci qui est arrondie aussi. Mais voilà. Pour changer. Donc, hop là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop là. Alors. Et je vais le faire tout du long. Voilà, donc on plie ici et ici. Hop là, cette feuille-là. Hop là,
on bisette ici. Et je vais venir la coller en haut. J'ai oublié. Alors faites pas comme moi, oubliez pas, je les ai sorties hier, elles sont là. Oubliez pas d'arrondir. Hop, là j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Je vais l'arrondir ici. Je vais mettre ici parce que je l'ai fait dans le mauvais sens. Hop. La même chose sur la deuxième, je vais l'arrondir tout de suite pour pas oublier. Hop là. Et elle, elle ira en haut. Je fais pareil. Je vais juste. Hop. Ici, je fais. Hop là. Mes côtés. Et je viens le coller en haut. Je suis désolée. Hop là. Donc, je vais venir installer mes aimants parce que j'avais décidé de mettre des aimants. Après, vous pouvez mettre des scratchs ou des flippettes. Hop là. Je vais venir en mettre un ici. Donc, comment je fais pour mettre mes aimants? Hop là. Tout simple, la technique toute bête. Je mets de la colle sur mon aimant. Hop là. Hop. Et là, du coup, on a la marque. Alors, si je ne me trompe pas, j'avais dû voir cette technique-là sur Béatrice Scrap, juste du scrap. Si je ne me trompe pas, il y a un bouton que j'avais vu cette technique-là. Et il me semble que c'était sur... C'était elle qui montrait comment elle faisait. Hop là. Ensuite, du coup, on va ouvrir. Ah, il ne veut pas coller. Hop. Hop là. On a celui-ci, donc on va biseauter les côtés. Voilà. On va reprendre notre perforatrice. De façon, hop là, à refaire la même chose.
Alors, chose importante aussi, quand vous faites une banderole comme ça, vous prenez la perforatrice. Personnellement, je fais toujours attention. Vous voyez, ici, on ne voit pas le papier. Ici, on le voit, en fait. Donc, du coup, je vais venir modifier. Comme ça. Hop. Voilà. Et là, on ne voit plus. Tout simplement. Donc, je vais venir le coller de ce côté-ci. Alors, pourquoi de ce côté-ci et pas de l'autre côté? Rien à voir avec les arrondis. Tout simplement, quand il y a des pochettes comme ça, je préfère les mettre vers la reliure parce que on a moins de mal à retirer le tag, justement, après. Petit truc tout bête. Il y a des moments, quand on le met dans l'autre sens, la tranche de la couverture gêne pour retirer le tag. Du coup, j'essaie toujours de le mettre dans l'autre sens. Hop là. Ah, pourquoi ça bouge? Hop là. Et hop. Bien évidemment, vous voyez bien qu'ici ça tient pas, donc on va venir y mettre aussi des aimants. Hop. Mais on va les mettre après. D'abord, on commence par venir. On va décorer d'abord l'intérieur. Ici. Donc, je reprends mes blocs action. Je vais d'abord voir si j'ai pas une chute qui pourrait aller ici. Comme je vous l'ai dit, on économise un maximum de chutes. Sauf que là, ils sont toutes mes chutes. Tu sais toutes mélanger. Non, elles étaient tombées du bloc. Je me disais aussi. Hop, alors vous voyez, celui-là, ce serait nickel. Est-ce que... Non, ce sera trop petit, je prendrai directement une feuille. Alors. J'avais perdu mon applicateur. Alors, mon crayon à papier. Hop. Donc juste après la bordure. Hop là. J'ai ma colle qui ne veut pas coller aujourd'hui. Allez savoir pourquoi. Donc, j'encre. Hop là. On met ici. Voilà. On va trouver un papier pour ici. J'avais cette feuille-là de l'autre bloc qui me restait aussi. Je vais prendre celle-ci. Alors, je fais attention que ce soit bien pareil que celui-là. Alors, pareil, il va falloir qu'il rentre en dessous. Hop là.
Voilà. On n'oublie pas d'arrondir les bords. On encre. Hop là. Bien mettre de la colle sur les angles. Voilà. Et une première page de fête. Ensuite, on va faire en haut. En haut, il n'y a rien à faire, juste à recouvrir. Je vais prendre celle-ci. Alors, donc j'ai repris les chutes des anciens papiers hein, que j'avais déjà utilisés sur les précédentes pages. Hop là. Donc il va aller ici. Je n'oublie pas ici dans l'angle. Hop là. De faire mon arrondi. J'enlève la protection ici. Hop là. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est le même papier en fait, sauf qu'ici vous avez des feuilles et pas ici. Hop là. Hop. Voilà. On va attaquer en bas. En bas, on va reprendre une de nos deux chutes que nous avions de 21 sur 6,5. Et en fait, elle ira ici. Donc en fait, il nous faut juste un bout de papier qui aille de là à la chute. Donc on laisse dépasser quand même un tout petit peu. Donc hop là, ici. Hop là. Je vais mon angle. Hop là. Alors moi sur l'eau je n'avais pas fait de bordure, je l'avais mis directement comme ça. Après à vous de voir si vous voulez mettre une bordure ou pas. Moi je vais pas en mettre parce que du coup il aurait fallu que je fasse plus grand, donc je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre de la colle. Hop. Je vérifie bien qu'il n'y avait pas de bordure d'arrondi à faire. Hop. Je vais juste mettre un filet de colle sur les trois côtés et coller comme ça. Pourquoi je ne fais pas de pliure? Pour éviter de donner encore plus de d'épaisseur en fait à ma page, tout simplement. Hop là.
Ensuite, je vais reprendre celui-ci ou c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. Là, c'était celui-ci et hop là, je vais reprendre pareil. Hop là, un trait ici. Et un ici. Voilà. Et du coup, je vais l'ancrer et venir le coller ici. Voilà, nous avons l'intérieur de fait. Ensuite, il nous reste du coup, ici, ça s'est décalé en fait, à cause de l'épaisseur. Donc, hop, voilà ce que je vais faire. Hop là. Alors, on va commencer par le bas parce que le bas, du coup, il n'y a rien à faire, juste à décorer et à mettre un aimant, du coup. Donc, on va mettre un aimant à ce niveau-là. Hop. Alors oui, il a voulu aller rejoindre l'autre, mais si je le mets là, ça va pas être top top. Donc ici. Hop là. Et il faut surtout faire attention, c'est pas à changer le sens de l'aimant. Parce que sinon, vous savez, le système de l'aimant, si il y a un côté qui s'attire et un côté qui se repousse. Je sais plus le nom de ça. Hein. Il y a longtemps que je suis sortie de l'école, comme dirait l'autre. Hop là. Du coup, ici, moi, je vais prendre un papier identique. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un papier assez joli. Celui-là est très joli, mais je voudrais garder pour une future autre page. Je prendrais bien le violet comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais couper tout de suite là, comme ça. Moi, je veux garder le foncé sur le bas. Déjà, je vais faire mon ongle. Voilà. Je vais prendre ma marque ici. Voilà. Et je fais attention de bien prendre encore le même sens, de façon à ce qu'il y ait la continuité. Et hop, ici.
Voilà. Je garde bien cette feuille-ci, le haut, parce que du coup, hop là, je viendrai la mettre ici. Ici, donc hop là, voilà, ici. Ensuite on fait pareil de l'autre côté, on prend deux aimants. Là pour pas que ça bouge. Hop là. Non, toi, je le taille là. Hop là. Voilà. Donc, je reprends du coup ma chute ici. Je fais mon angle. Et je vais venir ancrer. Hop là. Je retire là. Voilà. Donc du coup, il me reste toujours ma petite chute, la dernière qui va aller ici. Donc, hop là. Elle va arriver pile poil sur les mains. Donc après, vous pouvez très bien la réduire. Bien de la colle sur les trois angles et je la mets ici. Voilà. Et du coup, pour ici, je vais prendre une seule et même feuille, laquelle je ne sais pas encore. Celle-ci, est-ce qu'elle le ferait? Ça ferait ici et... Non, ça ferait trop court. Non, ça, c'est la même couleur. On va reprendre une feuille.
On va prendre celle-là. Ouais. Alors, on coupe ici. Hop là, on coupe. Hop là. J'encre. Donc pareil, je fais attention pour que ça se rejoigne. On enlève le papier et on colle. Voilà. Et du coup, il nous reste plus que ces deux morceaux là. Je ne prendrai pas celui-là. Et j'ai envie de quelque chose de plus sobre. Non, ça va faire non plus. Voilà, je vais prendre ce côté-ci pour casser un peu, pour mettre un peu plus clair par rapport à toutes les petites fleurs qu'on a ici et ici. Hop là. Là, je vais prendre ici. Voilà. Et pour le bas, je vais pas jouer dans la continuité parce que de toute façon il se chevauche. Je vais jouer avec le bas qui est plus foncé. En fait, vous voyez, ça fait un arc. Voilà. Ici. Allez, hop là.
Et voilà. Hop. Hop, vérification qu'on n'a rien oublié. Et voilà. Et ici, à vous de jouer, de casser en mettant de la décoration, des petits textes, tout ce que vous voulez bien. Donc, voilà, voilà, une autre page de terminée. Moi, je vais la coller dans le reste de l'album. Ici. Voilà. Ce qui nous fait deux pages de fête. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.